Et bonjour à tous, aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle réception, donc une réception Vinted. Donc il y a beaucoup de lots, mais je vais tout faire ensemble parce que je suis un petit peu à la bourre. On va commencer tout de suite. Donc on a un petit Amanita en fossile, édition, hein. Bon ça c'est un détail. Hop. Un petit noix de coco obscur de Yann Discovery. Double rafale de Genesis. Le petit Natu. Mauvais état, mais c'est pas grave. Le Genesis aussi. Mademoiselle sortie du Ruby Saphir. Ils sont déjà un peu triés, je pense. Pokénave de Ruby. Le Poussifeu qui malheureusement a été plastifié. Mais bon, du coup, ça fait une carte à moins cher. Le Tue Noir de Tempête. Ça va être trié par bloc. Lucario de Vainqueur Suprême. C'est des cartes qui sont plutôt bon état pour la plupart. Ténéfix de Vainqueur Suprême. Le Brasigali holographique. Un petit Maganon de Triomphe. Le Spiritomb, le Nidoking, Tyranocif de déchaînement, très belle carte, j'aime beaucoup. Le Feu Forêt de Incontable en reverse. La partie basse de Rayquaza et Deoxys en légende. Nidoking de Rivaux émergents. Timothy Smilis de la même série. Avec un autre Motisma tonte. Ces cartes-là sont plutôt même très bon état. C'est cool. 6 Aiox de Rivaux émergent. Le Démolos. Le Libellion en holographique reverse. Un petit Artera de Diamant et Perle. Doudou le duel au sommet, Limoré de Merveille Secrète en reverse, petit Hérémite pareil en reverse, le Tarpeau de Éveil des Légendes en reverse pareil, je crois que c'est une holo reverse aussi. Parlons de l'Horiverse, le Scorvol, le Négapi de l'Aube Majestueuse, le Manaphy holographique, le Manaphy en holographique. Galégon en reverse de Team Magma vs Team Aqua. Un petit cap humain de déchaînement. Les cartes qui commencent à être un peu défonce-axe. L'énergie de platine. Petit Criphodet niveau X. De l'éveil des légendes. Tarsa, même série. Tout doudou de duel au sommet. Onyx, le démon hyper.
Un rembobine de canon cristal. Celle-là est magnifique. J'aime beaucoup. Ça fait un moment que je la veux celle-là. Le maganon de créateur des légendes en reverse. En rare reverse. Sous-géante. Pareil. Des, enfin, ouais, un peu manger un petit peu. Beaucoup de points blancs. L'ombre en reverse de Hexdeoxys. Je suis très content aussi parce que c'est des reverse qui sont très durs à choper. Hop, Sharpedo de Ruby Saphir. Le Papinox de Ruby Saphir aussi en holographique. Krabi en reverse de Rouge Feverfeuille. Ségateur en secrète de platine. Platine, c'est pas là. Un mochon en holo Kraken Ice de Triomphe. Altaria de Triomphe en holographique. Jirachi, pareil. Dilatus Ex de Île des Dragons en plutôt bon état. Le Alligator de AGSS qui est en mauvais état, mais c'est pas très grave. Donc la sœur, on s'en branle, ça bouche les trous. Pareil pour le Raichu de Indomptable. Le petit Tilton Secret de Platine. Graina de espèce Delta que j'aime bien. Très belle carte. Petite version reverse de espèce Delta en très très bon état. Et un Tyranocif de tempête en bon état. Chakrok de trésor mystérieux. Timantali de Indomptable. Tyranocif Ex de Île des Dragons qui a mangé aussi. C'est pas très grave. En classeur, c'est pas, ça se voit pas. Alligator de trésor mystérieux. Un Nicoroa de déchaînement, un Mental X de rivaux émergents, la Salamèche secrète de Rouge Feverfeuille, plutôt bon état, c'est qui se m'enveille, la Armure X de pouvoir. Aussi. Il y a nos sens faire de déchaînement. Non, je pense qu'il reste que des ultras. Il y a Nocturne Prime. Bon, celle-là, elle est en très très bon état. Celle-là aussi, elle était à scotcher un petit peu, il me semble. Molos Prime, l'Euphorie Prime, un peu d'encre, mais c'est pas très grave, ça se voit pas beaucoup. Yalaking Ex Tempête de Sable,
1 Tera de fossiles en holo qui est malheureusement plié. Ça ne vaut pas beaucoup. Là, on se voit. Hop. Une des plus grosses cartes, du coup. Enfin, si c'est enfin, la plus grosse carte. Le tir aussi brillant. Qui est la dernière brillante qui me manquait. Et qui est en plutôt bon état. Il me semble qu'il y a une pliure. J'arrive pas à la voir. Là, elle est juste là, au niveau de la patte. Mais bon, c'est vraiment très minime. Sinon, elle reste dans plutôt bon état. Un petit peu de nettoyage à faire. Mais je vais pas trop risquer. En plus, c'est sur le bug, donc c'est pas très important. Bon, vraiment très très propre. Et très très content d'avoir fini ces putains de brillantes de mort. Qui coûte un bras. Pareil pour ce OO. De force cachée. Allez, on se retrouve pour la mise en classeur. On commence du coup par le Wizard avec le double Tera graphique de fossile. Fossile, hop, on a la dernière co. Juste là. Passe à Genesis avec le petit Natu. Numéro 67. Un peu là. Et double rafale numéro 100 juste là. On passe à Discovery Destiny. J'inverse toujours les deux. Numéro 33. Il me semble que c'est juste là. Ouais. Et enfin sur le gâteau, le Tyrannosif qui va rejoindre tous ses copains brillants. Et donc on a toutes les brillantes avec du coup, je vais les trouver, hop, le Léviator et le Magikarp. On a toutes les brillantes. C'est magnifique. Donc, la Papinox holographique, la 6, qui ne manquera plus que le Gardevoir en holo. La numéro 22, juste là, il me semble, oui. C'est ça. Et la numéro 74. 14, elle est juste là. On a ensuite le numéro 83, et d'accord, numéro 88. Ok, on passe ensuite à Tempête de Sable. Donc, nous avons une ex. La numéro 95, ouais, juste là. Et on enchaîne avec Rouge Feu Vert Feuille. Hop. Rouge Feu Vert Feuille, donc on a la numéro 66, le Krabi. Donc on l'avait déjà en normal. Et donc on va rajouter la Reverse par devant. Plus joli, ils sont vraiment belles les rivers de ces séries. Hop. On a aussi la secrète, qui me semble bien juste là. Ah putain, j'ai oublié que là c'est un peu démonté, donc on va la mettre là par défaut.
où on va aller mettre les trois oiseaux ensemble, ça va être plus joli. En bas de la page. Hop, et le sandwich ici. Ensuite, on a une carte de Hexeoxys, la numéro 34. Juste là. Et ensuite, on passe à Team Aqua versus Team Magma avec la numéro 36. Alors, voilà, c'est ça. Je l'avais. On va comparer les états. Mais il me semble que celle que j'avais est en meilleur état. Ouais. Je garde la mienne. Et donc l'autre partira à l'échange. Et on change de classeur. Second classeur, du coup, nous avons la OOX. C'est juste à côté de Lugia. Après, on passe à Créateur de légende. Non, espèce de tas. Donc, nous avons la numéro 24, juste ici. Et la numéro 50. Non, voilà, juste là. Donc là, on enchaîne avec Créature de légende. La numéro 21 qui vient se mettre juste là. Donc là, on a pas mal de reverse. J'aime beaucoup cette série en reverse. 75 juste là. On passe à Île des Dragons parce que Gardien de Cristal est dans le classeur. Donc, Île des Dragons, il me semble que j'ai seulement deux ex. Donc, on est à la fin. Hop, le Latias, le Latios qui va aller à côté du Latias et le Tyrannosif juste en dessous. Il va nous manquer. La Lipécon et la Gardevoir et le Altaria X. Et enfin, Gardien de Pouvoir avec la Hermure. Hop, il va se mettre jusqu'ici. Et on passe du coup à Gardien de Cristal. J'ai le full set en reverse. Et donc on va regarder ici. Il me semble que voilà, je ne l'avais pas. Hop. Et on va pouvoir passer au DP. Alors on commence avec Diamant et Perle. Classique avec la Torterra holographique juste là et la Onyx numéro 92 un peu plus loin. Hop, juste là. Ensuite, trésor mystérieux, nous avons l'alligator en holo et du coup le Karchakrok holographique qu'on va mettre derrière la reverse. Hop. Et on passe directement à Merveille Secrète avec le Dimoré reverse, le numéro 40. Ça va être juste là. Non, c'est juste là. Le numéro 73, juste là, voilà. Et on passe à Duel au sommet, c'est où je suis plutôt pas mal avancé,
Tenons la gros doudou. Numéro 32. C'est là. Et le tout doudou, la dernière co qui me manquait. Jusqu'ici. On passe à Home Majestueuse avec le Malafi. Là. Le Negapi. Jusqu'ici. On passe à Éveil des Légendes. Donc, avec la numéro 5. Hop, en holo reverse. Le Scorbunny. Le Tarpeau. Derrière le Mewtwo. Le Tartare. Juste ici. Et enfin, le Kefauver niveau X. Hop, juste ici. Et enfin, Tempête. Et puis, le noir. Holo. Allez, on va vraiment du mal. Le Tyranocif. Holo du deck. Numéro 30. Ça va être juste là. Et enfin. Et on passe à Platine. Alors, on commence avec l'énergie. Numéro 48. Ici, et enfin on passe au secret, donc le insécateur numéro 130 va être juste là, et le tilton juste ici. Ok, on passe à Rivo émergent avec le numéro 5, la numéro 29. Le numéro 65, le numéro 48 avant. Donc on l'avait déjà en normal, on va mettre la river juste devant. Hop, 68 du coup, on va manquer une carte devant. Non, 68, 68. Bien. Un peu con. Hop, le magie rêve niveau X. Plus derrière. Numéro 110, c'est juste là. Comment ça là? Et les motifs qui se m'attendent. Donc on va mettre le RT1 ici. Là, passe à merde. On passe à vainqueur suprême. Donc la Brasegali niveau Brasegali 2. Ici, on a le Lucario en rare niveau 31. Le Ténéfix 41. Et on passe à HGSS. On passe directement au Prime. Le Vénard 6. C'est juste ici, la ligature à côté. Passe à déchaînement, le numéro 1, le Tyranocif, vraiment très beau ce Tyranocif, numéro 43, là, on passe au Prime,
L'autant se faire jusqu'ici, nous avons un autre type roi. Alors lequel est en meilleur état? Oui, bon, le mien était en meilleur état. Donc pareil, ça ira à l'échange. Le lanthurne, et on passe à remontable. Le faux rêve qu'on a en reverse, donc on va prendre la normale qu'on va mettre derrière. On passe au prime. La mentalité doit être juste là. 81. Les démolos juste derrière. Et la Raichu aussi, juste derrière. Hop, et la Rayquaza qui va venir jusqu'ici. Et on passe du coup à Triomphe. L'Altaria niveau 2, non. L'Altaria. Deuxième holo, cinquième holo, un mochon. Et juste derrière le Nidoqueen, Nidoking. La numéro 10, Spiritomb. Et la numéro 27, Maganon. Et nous avons fini pour cette réception. Donc n'hésitez pas à mettre un commentaire si une de ces cartes vous intéresse. Et si la vidéo vous a plu. Bye bye.